Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la perte de poids. Encore une fois, puisque c'est mon sujet principal du moment, puisque je suis à fond dedans et que voilà, mais je me suis dit qu'il y avait une vidéo que j'avais jamais vue sur YouTube à ce sujet. C'est ce que devrait vous apporter en 5 points, j'ai mis 5 points, une perte, enfin un régime alimentaire. Moi j'ai choisi d'aborder ce sujet en parlant de ce que mon régime a apporté, mais après il n'y a pas que 5 points, il y a beaucoup plus de points. C'est pendant le régime qu'il faut qu'on se rende compte du changement, c'est pas à la fin, c'est pas quand on a atteint notre objectif, c'est vraiment tout au long du régime qu'on doit sentir bien et pour vraiment aller de l'avant. Donc tout d'abord c'est la sérénité, donc moi je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec ce que je fais, j'ai pas honte d'avoir été au régime, même si là je suis en stabilisation. J'ai dit tout au long de mon régime que j'étais au régime. Tout au long de Weight Watcher, je veux dire, j'ai dit que j'étais au régime. Et c'est là que j'ai perdu le plus et que je me suis sentie sereine et que j'ai été fière de moi. Et voilà, donc j'ai pas honte aujourd'hui de dire que j'ai fait un régime et j'essaye pas d'inventer des nouveaux mots pour dire ah non, mais moi j'ai pas fait de régime, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai mangé autrement. Voilà, alors qu'au final, ça revient à faire un régime. Et à partir du moment où on n'assume pas ce qu'on fait, et ben on n'y arrivera pas, je pense. Donc faut assumer ce qu'on fait et voilà, il n'y a que le programme qu'on va choisir, le régime qu'on va choisir qui va nous apporter cette sérénité puisqu'on va être en accord avec ce régime, eh bien on sera en accord avec soi-même, je pense. L'équilibre dans l'assiette. Donc un régime est en théorie restrictif, oui, mais seulement sur ce qui n'est pas bon pour le corps. Donc au final, quand on va se priver de ce qui n'est pas bon pour notre corps, il va falloir trouver un nouvel équilibre. Il va falloir pas manger tout le temps la même chose, par exemple, je sais pas, graines de courge ou voilà, pas tout le temps au même repas. Si on aime bien la graine de courge, ben on peut en manger bien sûr, mais c'est pas tout le temps au même repas qu'il faut manger tout le temps les mêmes choses parce que sinon ben, c'est assez très vite et ça va être très dur à tenir. Donc voilà, par exemple, le régime soupe aux choux, je sais qu'il y en a quelques personnes qui le font et je trouve ça un peu étrange quoi, de manger de la soupe aux choux pendant, je sais pas, je dis des conneries, hein, 15 jours, 3 semaines. Et bah, pour moi c'est pas une chose bénéfique parce que quand on va arrêter on va manger normalement et on va pas savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Donc autant manger équilibré tout en sachant ce qu'on peut manger, ce qu'on doit manger et voilà. Le soutien, donc moi j'ai eu la chance que ma maman me rejoigne sur le programme et c'est vrai que ça m'a aidé tout de suite et que à partir du moment où elle avait choisi de me rejoindre, ça m'a fait perdre beaucoup plus vite. Parce que si tout le monde est contre vous et vous dit ben non, t'as pas besoin de perdre ou non, t'es bien comme tu es, et forcément on va se dire mais si, allez, je les écoute. La première contrariété, vous allez baisser les bras, enfin on va baisser les bras si on n'est pas soutenu. Donc autant être soutenu, avoir quelqu'un à qui pouvoir en parler, au moins une personne. Et voilà, et chaque régime devrait être comme ça, on devrait avoir un soutien. Donc voilà, moi je sais que j'ai choisi Weight Watchers, c'est un peu grâce à ça. Voilà, et que j'en suis satisfaite. Aujourd'hui, je me dis si c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, parce que j'ai retrouvé tous ces points dont j'avais besoin. Je vous en parlerai à la fin, mais j'ai retrouvé tous ces points dont j'avais besoin dans Weight Watchers. J'ai retrouvé notamment du soutien. Donc voilà. Et si j'avais retrouvé tous ces points dans les autres régimes, je pense que je n'aurais jamais eu besoin d'en faire un. J'en parlais avec ma maman tout à l'heure et je me disais, mais j'ai pas fait d'effort en fait. J'ai très peur de reprendre, mais j'ai pas fait d'effort. Et si j'avais jamais fait de régime avant, j'aurais pas peur de reprendre. C'est l'envie de bouger. C'est un peu plus compliqué, mais en fait, ça va nous sentir tellement bien. Déjà, les premiers kilos perdus vont nous faire sentir tellement plus léger qu'on va avoir déjà moins de difficultés à marcher un peu plus, à faire un peu plus d'efforts. Mais en plus, souvent, mais ce qui est pareil dans tous les régimes alimentaires, c'est qu'on va vouloir se mettre au sport au même moment. Et ça, c'est très bien parce que ça va correspondre tout à fait à ce dont on a besoin. Ça va nous motiver encore plus. Ce qui est bien, surtout, c'est que ça va nous éloigner de l'idée de l'alimentation et qu'on va un peu prendre du recul par rapport à ça et qu'on va faire un régime sans s'en rendre compte. Des saveurs parce que vu qu'on va manger autrement, faut pas se le cacher, quand on fait un régime on mange autrement, et bien il faut te découvrir dès le début ce qui nous fait plaisir et ce qui nous donne envie, mais qui soit équilibré, qui soit bon pour le corps. Et donc voilà, donc voilà, pour que parce que tout simplement à long terme en fait
notre régime va devenir notre nouveau mode de vie, parce que sinon on va reprendre. Le plus crucial, c'est que notre mode de vie va devenir notre régime. Enfin, notre régime va devenir notre nouveau mode de vie, notre nouveau mode d'alimentation pour toujours. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça pour moi, un régime. Et vous voyez ce que j'ai perdu. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle réussite dans vos objectifs, parce que je sais qu'il y en a certaines qui me suivent, qui ont des objectifs assez importants qui leur tiennent à cœur. Et voilà, donc je vous souhaite une belle réussite et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!